Bonjour à tous, bienvenue à J.H. Lee. Mon nom est Virginie Bienvenue, je suis enseignante en danse à l'école secondaire J.H. Leclerc. Je vais vous faire la lecture aujourd'hui d'un conte merveilleux de Claire Joanne. On ne parle jamais des enfants de Cendrillon ou de Blanche-Neige. On sait qu'ils sont nombreux pourtant. Serait-ce un si grand sacrilège que de nous dire ce qu'ils deviennent? La progéniture née des fins heureuses des contes de fées reste un mystère pour le commun des mortels. Pourquoi donc tous ces secrets? Après moult investigations, la trace d'une de ces gamines bien-nées a été retrouvée. Il faut dire que la pauvre a eu dans sa vie quelques déboires. Voici donc son histoire, bien moins évidente à assumer que celle de sa prestigieuse maman, connue aussi sous le nom de Belle au bois dormant. Première née d'Aurore et de son prince charmant, la princesse Perséphone, naquit un beau matin d'été, attendu et déjà choyé. Tout le royaume, ainsi que les trois bonnes fées, furent prévenus. Ces dernières se mirent alors en route pour lui offrir, selon la tradition, dons et beautés, comme elles le firent avec sa mère. Hélas, avant qu'elle n'arrive, la méchante sorcière, en corbeau réincarné, se percha au bord du berceau et murmura son mauvais sort. Puisque ta mère, de son sommeil maudit, s'est réveillée, c'est toi qui subiras ma colère. Je voudrais bien te tuer, mais la souffrance étant pire que la mort, voici mon cadeau de naissance. Toute ta vie, tu souffriras du regard des autres, de leurs quolibets et de leurs moqueries. À partir de ce jour et jusqu'à ta mort, je t'affuble de deux énormes fesses. Et le corbeau maléfique s'en fut, en ricanant, laissant derrière lui une plume en guise de souvenir. Celle-ci virevolta un instant, puis se déposa en douceur dans la main de la petite fille. Aussitôt, son derrière se mit à enfler, enfler, enfler. Ses couches s'étirèrent, craquèrent et finirent par se déchirer. Son berceau commençait à devenir trop étroit lorsque les trois fées entrèrent dans la chambre de la fillette. Avisant la plume posée sur le bébé, la plus intelligente des trois fées la retira vite et la fit disparaître. L'arrière-train n'enfla plus, mais ne dégonfla pas non plus. « Pour conjurer ce mauvais sort, je ne peux pas faire grand-chose, » dit la fée. « Mais sache qu'après quelques épreuves difficiles, tu finiras par trouver le bonheur. J'en fais le serment. Foi de bonne fée. » La seconde fée s'avança à son tour. « Il est bien des gens qui de toi se moqueront, et de temps en temps tu en seras triste et découragé. Je t'offre un caractère bien trempé pour pouvoir résister au désespoir dans lequel tu tomberas parfois. » Enfin, la troisième et dernière fée se pencha au-dessus du berceau. Mais effarée par les énormes fesses de la gamine, elle ne put dire un seul mot. Ainsi firent les fées, et puis laissèrent l'enfant, ses deux énormes fesses, ses couches déchirées et ses parents encore tout effarés de ce qu'il venait de se passer. Perséphone eut une enfance plutôt heureuse, bien que coupée du monde. Ses parents, en effet, craignant la critique de leur sujet, la firent élever dans le plus grand secret. Ils la choyèrent, lui donnèrent beaucoup d'amour, mais avaient si peur que leur fille souffre du regard des autres qu'ils ne la préparèrent pas du tout à affronter le monde. Et tandis que ses frères et sœurs en découvraient les richesses, elle passait son temps enfermée dans un petit palais de campagne, coupée de toute vie sociale. Elle était sage, intelligente, bien que n'ayant pas la langue dans sa poche. Son caractère bien trempé offert à sa naissance réjouissait ses parents, qui voyaient en elle une future reine prestigieuse. Elle grandissait bien, son visage était d'une rare beauté. Mais cette beauté, hélas, rendait presque encore plus énorme et disgracieux son arrière-train. Le roi et la reine, durant toutes ces années, avaient dépêché leurs meilleurs espions à travers le monde, dans l'espoir de trouver un remède qui dégonflerait le derrière de leur descendante. En vain. Aucun breuvage, sortilège ou autre médicament ne vint à bout de ce postérieur éléphantesque. Lorsque vint enfin le jour de sa présentation, le royaume entier était en effervescence.
pensez donc, ils allaient enfin rencontrer celle qui les gouvernerait un jour. Ses parents, à côté d'elle, se rongeaient les seins, inquiets de la réaction de leur sujet. Sur le point d'ouvrir les portes, ils furent pris de doute et faillirent les refermer. Mais hélas, trop tard, les valets annonçaient déjà leur entrée. Perséphone avait pour l'occasion revêtu une magnifique toilette, parsemée de fils d'or, une parure de diamants mettant en valeur son cou délicat, un maquillage discret soulignant son visage princier. Mais lorsqu'elle fut annoncée dans la salle de bal, personne ne vit le soin qu'elle avait pris à se préparer. Le valet qui ouvrait la porte suspendit son geste en la voyant apparaître. Les loyaux sujets réunis arrêtèrent leur conversation lorsqu'elle s'avança dans la salle et la fixèrent, étonnés, stupéfaits et parfois même horrifiés. Une servante en fit tomber son plateau sans que personne ne réagisse. Tout le monde, en effet, avait le regard estomaqué planté sur ses deux énormes fesses qui se balançaient de chaque côté de son corps, par ailleurs bien proportionnées. Et puis, alors qu'elle s'étonnait de l'accueil pour le moins refroidissant de ses sujets, un petit garçon s'avança vers elle, l'air confiant et l'œil souriant. Soulagée, elle se pencha pour lui donner un baiser, mais celui-ci la prit de court et s'exclama « Tu as les deux plus grosses fesses de tout l'univers !» Tous les sujets éclatèrent alors de rire, soulagés qu'enfin quelqu'un dise tout haut ce qu'il pensait tout bas. Mais oui, elle avait de bien grosses fesses, cette princesse. Était-elle vraiment la fille de leur souverain? Comment avait-il pu donner naissance à une fille aussi disgracieuse? Et voilà que la jeune fille, pas du tout préparée, essuya pour la première fois les moqueries des gens malveillants. Elle fut moquée et huée. Le bal de présentation se transforma en séance de jugement. « Les jeunes filles ici présentes ne pourraient pas gouverner à la place de ses parents. »« Impossible !» se récriaient les sujets qui attendaient jusqu'alors sa venue avec tant d'impatience. « Elle n'est pas assez belle pour être reine. Les autres royaumes se moqueront de nous. »« Princesse grosse fesse, on ne veut pas de toi !» Tandis que certains se moquaient, la montraient du doigt, d'autres la bousculaient, la chahutaient. Aurore et son prince ne brillaient pas pour leur intelligence. En effet, l'une s'était piqué le doigt avec un fuseau alors que les approcher lui étaient interdits. Et l'autre avait embrassé une princesse endormie depuis 100 ans. 100 ans d'haleine pas fraîche et il l'embrassait quand même. Autant vous dire que désormais, le prince, avant d'embrasser son épouse au réveil, lui offrait toujours une feuille de menthe à mâchouiller. Et donc, pour revenir à l'histoire de leur fille, alors que celle-ci était moquée, montrée du doigt, bousculée et chahutée, ses parents au cerveau ramolli ne surent comment réagir face à autant d'incivilité et laissèrent la demoiselle s'en dépatouiller. Celle-ci, bien que blessée par les paroles et gestes de son peuple, ne se laissa pas démonter. « Vous ne voulez pas de moi à cause de mon derrière dodu? Pourtant, ne vaut-il pas mieux être intelligent et sage que d'avoir un corps parfait ?» Si vous pensez le contraire, ma foi, je serais heureuse de ne pas vous gouverner. Il vaut mieux pour moi partir vers un peuple un peu plus dégourdi que de rester avec vous, cher sujet, dont la bêtise est plus énorme que mon énorme derrière. Sur ces paroles, elle se déroba tant bien que mal de la foule, se servant de son derrière pour refouler les enragés. Elle s'engagea dans le premier couloir suffisamment large pour qu'elle puisse y passer, et franchit les portes du palais en courant, avant de s'enfoncer après le village, dans la forêt sombre. Une sombre forêt, il y en a souvent dans les contes de fées, et la demoiselle en détresse, malgré ses deux énormes fesses, ne pouvait donc y couper. Elle n'y croisa pas de nains ou de voleurs mal intentionnés. Un loup en aurait bien fait son déjeuner, mais apercevant son énorme arrière-train, il s'en abstint, car il avait horreur du gaspillage. La nuit commençait à tomber et Perséphone s'arrêta sous les arbres, pleine de colère envers son peuple. Qu'ont-elles donc mes fesses? N'aiment-ils pas les grosses parts de gâteau?
Ne sont-ils pas heureux d'avoir les plus gros fruits dans leur verger, les plus gros trésors dans leur cave? Les hommes ne sont-ils pas heureux d'avoir les plus gros muscles et les femmes d'avoir ces hommes-là? Pourquoi donc mon gros derrière leur pose autant de problèmes? Dans un moment de faiblesse, elle se laissa aller à pleurer et se lamenter sur son sort. Pourquoi me suis-je enfui? J'aurais dû rester et leur prouver qu'ils avaient tort. Et la princesse pleura et renifla comme la dernière des souillons. Le minois, tout chafouiné par la douleur de ne pas avoir fait ce qu'il fallait, elle finit par s'endormir à même le sol, entre les arbres, les yeux rougis et gonflés de s'être trop lamentée. Le lendemain, elle se mit en route, ne pouvant se résoudre à retourner au château. C'est qu'elle était un brin orgueilleuse, la Perséphone. Et si son peuple ne voulait pas de ses fesses, elle n'y retournerait pas qu'émander sa juste place. Elle marcha longtemps, évitant les villages, fuyant les routes encombrées. Elle chaparda des pommes dans un verger pour son déjeuner, écorcha sa robe et ses genoux dans les fourrés. Et plus elle marchait, plus sa colère envers ses sujets montait. Elle leur imputait tous ses malheurs, inventait des vengeances sanglantes faites de coups de guillotine, de pendaisons et d'écartèlements, mais continuait à marcher loin de son palais. Au fur et à mesure qu'elle traversait le royaume, ses vêtements se déchiraient, ses cheveux se dépeignaient, sa peau blanche se crassait. Seul son auguste fessier d'un poil ne bougeait. Un jour, voulant passer entre deux arbres rapprochés et ayant momentanément oublié son arrière-train démesuré, Perséphone s'y retrouva coincée. Elle resta là à se débattre et à pester quelques heures, ne pouvant ni avancer ni reculer. Plus elle se débattait, plus elle avait l'impression que l'étau se resserrait. Elle finit par se résoudre à appeler à l'aide. « Au secours! Sauvez-moi! Me voilà prisonnière !» appela-t-elle tout d'abord timidement. Finalement, son faible vagissement n'ayant eu aucun effet, elle se mit à crier un peu plus fort, puis encore plus, puis de plus en plus, jusqu'à hurler encore et encore, attendant désespérément qu'un proche chevalier ou n'importe qui d'autre vienne la délivrer de son inconfort. Sur un coup du sort, c'est un n'importe qui d'autre qui vint, attiré par les cris de la demoiselle. Ce n'importe qui d'autre était un garde forestier qui, comme chaque jour, faisait le tour de la forêt. Il prenait le temps de regarder si chaque arbre était bien à sa place, si les ours oursaient et les biches bichaient, si les braconniers ne braconnaient pas. En bref, il prenait soin de la forêt. Or, ce jour-là, alors qu'il remettait en place un œuf tombé de son nid, il entendit les hurlements de la princesse, hurlements qui n'avaient rien à faire dans son cher bois. Accourant sur les lieux du drame, il aperçut notre Perséphone en détresse, le cul coincé entre deux jeunes châtaigniers. « Taisez-vous donc, la donzelle !» lui ordonna-t-il. « Ne voyez-vous donc pas que vous cassez les oreilles de ma forêt ? Les arbres, c'est comme les femmes, il faut les traiter avec douceur. » Perséphone, probablement épuisée des derniers jours, fatiguée d'être coincée, agacée de se faire fâcher, répliqua d'un ton peu engageant. « Oh, toi, le n'importe qui d'autre! Lâche-moi un peu la grappe! Les forêts n'ont point d'oreilles, tout le monde sait cela. Sauf toi, visiblement, espèce de roturier mal peigné. J'ai été chassée de mon royaume par des pleutres en haut de chasse et des échalopes en robe du soir. Alors ne pense pas me faire peur en m'engueulant comme un putois castré! J'ai faim, j'ai pleuré au point de vomir mon désespoir et surtout... j'ai l'arrière-train en feu à force d'être coincé. Alors maintenant, tu te dépêches de m'aider à me dégager de tes deux enflures d'arbres maudits ou je continue à beugler. » Ouah, quel caractère, pensa l'homme. J'aime ça, moi, les sacrées mégères qui ont la langue bien pendue. Son regard tomba soudain sur les fesses de la demoiselle, qui lui avait étonnamment échappé jusqu'alors. Mazette, quel fessier, quel cul! Quel postérieur! Mais quelle aubaine de tomber sur elle dans ma forêt! C'est qu'il les aimait girondes, les demoiselles. Il aimait caresser autre chose que des os, comme il disait,
et que des rondeurs puissent remplir ses mains d'honnête homme le rendait tout heureux. La vision de cette jeune fille calipige, osons le dire, le faisait rêver. L'homme eut donc le coup de foudre pour cette jeune princesse mal lunée et son arrière-train majestueux. « Ma déesse, lui répondit-il, je te délivre si tu m'épouses. Je suis tombé amoureux de toi et ne partirai pas sans avoir obtenu ton amour aussi. J'en ai pas vu de plus belle que toi depuis longtemps et j'aime ta façon originale de parler. Sans mentir, si tu m'épouses, je te promets de prendre soin de toi, comme je prends soin de ma forêt, avec douceur et tendresse et sans jamais te lâcher. » La colère de Perséphone retomba comme un soufflet raté. Pensez donc, un homme prêt à l'épouser après les déboires passés, ça avait de quoi l'étonner. « Mais j'ai un énorme postérieur !» se récria-t-elle. « Je l'aime, » répliqua-t-il. « Mes cheveux sont sales et décoiffés. Je les aime. Mes genoux sont tout écorchés. Je les aime. Mes mains n'ont jamais travaillé. Je les aime. » À chaque fois qu'elle opposait quelque chose, il répliquait ainsi, et ainsi la jeune fille fut conquise. Il gagna son cœur, et même plus encore. En effet, les parents de Perséphone avaient enfin réagi au peuple mécontent. Mécontent d'avoir une princesse au cul d'éléphant. Ils avaient étouffé les meutes, promettant le cachot aux dissidents et retourner le royaume pour retrouver leur fille chérie. Retrouver la trace de leur fille fut assez facile. On ne perd pas facilement un arrière-train aussi énorme. Et les deux amoureux furent accueillis au palais avec un bonheur sans égal, bien qu'un peu forcé pour certains qui avaient peur du couperet. Perséphone fit tomber quelques têtes en guise de vengeance sanglante, mais resta somme toute assez clémente, tout amoureuse qu'elle était. Finalement, quand elle fut appelée à régner, elle avait déjà, grâce à son charmant caractère, à sa guillotine et à son langage coloré, conquit le cœur de tous et son couronnement fut accueilli avec joie. Son règne fut aussi long que son popotin était développé. Pour éviter d'autres coups du sort, elle fit tuer tous les corbeaux et n'eut jamais d'enfant. Et quand bien même en eût-elle eu, Perséphone aurait sûrement fait preuve de plus de méfiance que ses parents. Elle n'aurait jamais laissé un seul quidam gonfler le cul de sa descendance.